C'est quoi? Un code?
Qu'est-ce que ça fait là? Séances chez le psy qu'ils m'ont imposé après. Était-ce sa psychanalyse? Ou savait-il quelque chose que j'ignorais? Thank you.
tiendra pas ici. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'était que des souvenirs. Qu'est-ce que vous voulez? Sébastien, est-ce que ça va? Vos signes vitaux sont montés en flèche. Vous étiez au bord de l'arrêt cardiaque. J'ai vu Beacon. J'y étais à nouveau. Comment est-ce possible? Ce thème est totalement nouveau. Aucune idée. Mais je sais ce que j'ai vu. Bon sang, j'espère que c'est terminé. Tout va déjà suffisamment mal comme ça. Je ne veux pas revivre le passé encore et encore. Ce monde me joue des tours. Il faut que je reste concentré. Je dois retrouver Lily. On va réessayer.
vie commençait à déraper avant que j'entre dans cet endroit. Être dans la tête de Ruvik comme ça. Depuis, je ne suis plus le même. Ils ont essayé de me dire que c'était seulement dans ma tête. Mais mon esprit n'aurait jamais pu rêver les choses que j'ai vues là-dedans. Pas besoin de me le rappeler. J'étais là moi aussi. Ouais. Ça ne posait aucun problème à vos amis de chez Mobius de vous mettre en danger, hein? Je sais pas. Mais si je n'avais pas été avec vous, on s'en serait peut-être pas sortis. Parfois, je me demande si nous nous en sommes vraiment sortis. Et maintenant, je suis dans un autre STEM. Et je suis toujours avec vous. On va s'en sortir. Comme la dernière fois. J'espère que vous avez raison. Rien pour moi cette fois-ci, hein? Tu veux que je te suive? Quoi? Je dois m'asseoir dans cette chaise? Félicitations, Sébastien. Vous avez presque terminé ce voyage intérieur que vous avez entrepris il y a si longtemps. Vous avez affronté vos propres démons. Vous avez couru de grands risques pour sortir victorieux. Mais il y a encore un souvenir que vous devez affronter. Comment ça? Tenez, cela vous sera utile. Joseph, mon partenaire, mon ami. Sébastien, déjà de retour? Que se passe-t-il? Après tout ce temps, il y a quelque chose dont nous n'avons jamais parlé. Hein? De quoi donc? Pas de quoi, de qui. Joseph. Je sais que le respect que vous aviez pour Joseph était réciproque. Je n'ai jamais eu l'opportunité de m'excuser pour ça. Les choses étaient confuses après Beacon. J'aurais dû essayer de trouver des réponses après ce qui s'est passé. Je veux dire, je sais ce qui s'est passé. Ne vous inquiétez pas, je ne vous blâme pas. Mais je continue de me reprocher sa mort. Vous n'avez pas à le faire. Pourquoi pas? Vous préféreriez que je vous le reproche? Après tout, c'est vous qui l'avez tué. Non, c'est faux. Je vous ai vu lui tirer dessus, Kidman. Mais quoi? Joseph est vivant. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Non, c'est pas possible. Que lui est-il arrivé? Où est-il? C'est une longue histoire. Nous continuerons cette conversation plus tard, quand nous serons en sécurité. Sachez simplement que vous n'avez plus à vous reprocher sa mort. Je dois y aller, Sébastien. Finissons ça et nous parlerons plus tard. Ouais, on en reparlera plus tard, ça c'est sûr. Merci, le chat.
Félicitations. Vous êtes plus fort que jamais. Plus la peine d'amasser tout ce gel vert, maintenant. S'il y a une clé, c'est qu'il y a un verrou. Je me demande où il peut être. Merde, je suis prise au piège. Je dois sortir d'ici. Putain, ce que je voulais, c'était juste trouver le blindé et me barrer d'ici. Au secours! Quelqu'un m'entend? Oh merde, je vais mourir dans le stem. Ce sera comme si j'avais jamais existé. Désolée, Lawson. Je vais finalement pas pouvoir venir te chercher avec le blindé. Ouais, ça me plaît. Merde. La.
forcément quelque part par ici. Vous osez détruire mon travail? Vous pensez que je vais me plier à votre volonté? Vous êtes comme eux, qui croyaient pouvoir me remodeler en quelque chose que je ne suis pas. Ce qu'ils ont créé ici, c'est merveilleux. Et ils le cachent, parce qu'ils n'ont aucune imagination. Parce que ce ne sont pas des artistes. Ils veulent me contrôler, me manipuler. Vous voulez m'arrêter. Mais vous avez tous échoué. Parce qu'avec la puissance du noyau, je peux créer mon art pour toujours. Notre tentative d'utiliser un caisson du STEM comme issue de secours est officiellement un échec. Malgré un taux de réussite de 25%, il a été décidé d'interrompre les recherches. Un sujet sur quatre est parvenu à quitter le système. Les trois autres ont tout simplement cessé d'exister. Nous pensons que les 75% restants sont perdus dans un niveau non répertorié du STEM. Un rêve dans un rêve dont il est impossible de revenir. En raison d'un trop grand nombre d'inconnus, l'expérience a été abandonnée. 25% de chances de réussite. C'est trop peu pour que je risque la vie de Lily. J'espère que Sykes a rejoint le monde réel. Il a une chance sur quatre après tout. Comme vous.
reviendrai à la charge tant que l'un de nous sera mort. Alors venez à moi. Que le carnage commence. À propos... Comment saviez-vous que le signal provenait du gars dont je parlais ? Mon communicateur est devenu dingue quand vous avez essayé d'appeler. Quelque chose faisait des interférences, une fréquence que je n'avais encore jamais vue. Et elle provenait de l'entrepôt dans lequel vous étiez. Juste avant votre appel, le signal a disparu, et ensuite il a réapparu à l'hôtel de ville. Quand vous avez dit que ce gars était puissant et que vous l'aviez perdu, ça me semblait logique que ce soit lui la source de cette fréquence. De quel genre de pouvoir s'agit-il exactement ? Il a invoqué certaines de ces choses, comme s'il les contrôlait. Ensuite, il s'est tout simplement téléporté. Ça m'a rappelé la dernière fois où j'étais dans le STEM. Mais tout le monde à Union a subi des tests avant d'être placé dans le STEM. C'est impossible qu'un tel psychopathe ait pu passer. Je suis ici, moi. J'ai pas subi de tests. Mais vous n'êtes pas un psychopathe. Pas vrai? Pourquoi pensez-vous qu'il ait choisi de s'installer à l'hôtel de ville? Ça a certainement un rapport avec l'émetteur de champ stable qu'on a installé là-bas. Bordel, c'est quoi encore ce truc ? En fait, c'est une machine qui stabilise temporairement une zone du STEM si elle commence à se déliter. C'est loin d'être aussi puissant ou efficace qu'un noyau, donc on les utilise uniquement en cas d'urgence. Ça n'a pas l'air de bien fonctionner. Ouais, Harrison et une équipe de sécurité sont partis l'installer quand nous sommes arrivés. J'espère qu'ils vont bien. Vous devriez peut-être venir avec moi. Si je parviens à trouver Lily, nous pourrons partir d'ici ensemble. Ah non, je ne mettrai pas un pied en dehors de cette planque à moins d'y être forcé ou de quitter entièrement Union. Et d'ailleurs, qui est cette Lily dont vous parlez constamment ? Lily est ma fille. Et c'est aussi le noyau. Ça explique votre détermination à la trouver. J'ai vraiment besoin de vous. Je vous aiderai d'ici quand ce sera possible, mais je ne vais pas dehors. Ce n'est qu'une petite fille. Je sais, mais faire appel à mon côté humain n'est pas un bon moyen de me convaincre. Désolé, c'est pas dans ma nature. Ouais, j'avais remarqué.